Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Oh, tu es honoré. Toi qui nous as précédés en ces lieux. Toi qui nous as précédés dans cette chambre haute. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'honorer. Ce midi à la chambre haute. Ce midi à Massy par les eaux. Seigneur, nous t'honorons. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu. Nous désirons t'honorer. Nous désirons nous soumettre devant toi. Saint-Esprit, sois le seul à être vu, sois le seul au Christ, sois le seul Christ à être vu, sois le seul à être entendu, sois le seul à être connu, sois le seul. Donnez-nous à nous effacer, afin que toi seul sois vu, toi seul sois connu, toi seul sois déployé, Saint-Esprit des dieux. Seigneur, accueille des bouches et des bas. Donnez-nous, Seigneur, à être focalisés. Donnez-nous à être focalisés. Seigneur, parce que nous te voulons, parce que nous te désirons, parce que, Seigneur, nous voulons, Seigneur, ta présence. Nous voulons, nous aspirons, Seigneur, à rencontrer notre Père. Aïe, en débauche, en débauche. Bien-aimé, dispose-toi. Dispose-toi. Élève la voix, parle-lui. Dis-lui que je suis venu. Je suis venu te rencontrer. Oh, yé-débauche, débat. Je viens à la rencontre de mon Père. Je viens à la rencontre de mon papa. Je suis venu, Seigneur, pour toi, pour te voir, pour te rencontrer. C'est pour cela que nous disons, Saint-Esprit, sois honoré. Saint-Esprit, sois honoré. Sois le seul à être honoré en ces lieux. Donnez-nous, Seigneur, à être disposé, disposé, disponible pour toi. Ah, débauché, débauché. Aïe, ah, débauché, débauché. Un débauché, 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 je t'adore, je te donne ma vie, un débauché, un débauché, je t'aime. Tendre Père, je t'adore. Je suis désireux, je te donne ma vie. Oh, je t'aime. Oh oui, tendre Père, je t'adore. Ayan débauché, que ayan débaba, je. Oh, tendre Père, nous sommes là, Seigneur, pour te rencontrer. Nous venons nous livrer totalement, parce que, Seigneur, nous voulons rentrer dans ta présence et nous savons, tendre Père, oh, nous ne pouvons pas venir dans ta présence. Il y a un protocole. Il y a un protocole. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de respecter ce protocole. De respecter ce protocole. Parce que nous reconnaissons que tu es un grand roi. Parce que nous reconnaissons que tu es un grand roi.
parce que nous reconnaissons que tu es notre Père. Et tu es notre Père. Mais quand nous venons dans ta présence, nous devons obéir à un protocole. Tu ne viens pas dans ta présence, dans la présence de notre Père, comme si tu venais voir un ami. Tu ne viens pas dans la présence de ton Père, comme si tu venais voir un ami, un copain. Non! Tu viens parce que tu reconnais le roi. Tu reconnais qu'il est ton Père. Tu reconnais qui tu viens. Tu viens en t'humiliant. Tu viens en le respectant. Tu viens en te soumettant. Tu viens en t'abandonnant. Parce que, Seigneur, il est un grand Dieu. C'est pour cela que nous disons, tendre Père, je t'adore. Oh, je suis désireux, je te donne ma vie. Oh, je viens me livrer totalement. Je viens m'abandonner totalement. Je viens me soumettre totalement. Parce que quand je viens comme cela, il n'y a plus rien qui m'intéresse dans ma vie. Je regarde tout comme de la boue. Je regarde, Seigneur, tout ce que j'ai comme de la boue. Parce que je sais que c'est toi qui donnes tout. Tout ce qui a de la valeur en mes yeux, c'est toi. C'est pour cela que je viens à toi. Oh, je t'adore. Je te donne. Je te donne ma vie. Je suis à toi, je t'aime, Papa compatissant, tendre Père, je t'aime. Tu es le Père de bonté, tu es le Père de bonté, le Père lent à la colère, riche en bonté. Magnifique en sainteté, tu es très digne de louange. Oh, nous voulons que Seigneur aujourd'hui, que tu reçoives, bien ébauche, reçois notre célébration, reçois notre dévotion, reçois notre admiration, reçois notre célébration. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es, notre Père? Est-ce que tu peux acclamer? Oh! La Bible déclare tout ce qui respire, acclame le roi des rois, acclame. Nous voulons te honorer, nous voulons t'acclamer, nous accueillons ta présence. Tu es présent ici par le Saint-Esprit, tu es présent ici par le Saint-Esprit. Je t'aime tant, Papa de bonté, je t'aime tant. Papa miséricordieux, je t'aime tant. Papa magnifique, je t'aime tant. Aïe, Baba Chaya, je t'aime tant. Oh, je suis à toi, je t'aime tant. Oh, Jésus le Christ, toi qui as payé le prix pour nous. Oh, toi qui as versé ton sang pour nous. À cette reprise, tu as exprimé ton amour envers nous parce que tu as décidé de pouvoir mourir pour nous. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus le Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Seigneur, toi qui nous as aimés le premier, nous t'aimons, nous voulons exprimer notre amour aujourd'hui. Donne-nous, Seigneur,
Akaya débauche. À prendre conscience que tu nous as aimés les premiers. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Oh, mais je t'aime tant. Papa de bonté, je t'aime tant. Papa miséricordieux, je t'aime tant. Papa fidèle, je t'aime tant. Papa magnifique, je t'aime tant. Je t'aime tant. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 6. À partir de verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire: qui vais-je envoyer? Qui enverrai-je? Et qui va marcher pour nous? J'ai répondu: me voici. Envoie-moi. Il a alors ordonné: va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entendent pas de ses oreilles, ne comprennent pas de son cœur, ne se convertissent pas et ne soient pas guéris. J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur? Et il a répondu: jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains éloignées des les êtres. La maison d'êtres humains et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il reste encore un dixième des habitants, à leur tour, ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche, quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, cette parole, quand tu entends cette parole, tu peux te dire, mais c'est une parole dure. C'est une parole. Moi-même, ce matin, en méditant sur cette parole, j'ai dit: Seigneur, que veux-tu dire? Comment c'est possible? Tu peux dire, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, mais vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux. N'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Tu dis, waouh! Mais la question a été posée: jusqu'à quand, Seigneur? Il a dit: jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains et que les territoires soient dévastés, désertiques. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il y reste encore un dixième des habitants, à leur tour, ils passeront par les flammes. Cependant, quelqu'un peut dire cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche, quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Waouh! Bien-aimé, le Seigneur m'a dit, ce matin quand je méditais cette parole, il m'a dit, la volonté de Dieu est que
qu'il y ait une sainte descendance, une souche pure qui sorte, qui demeure. C'est pour cela qu'il vient de manière assez que qu'il produise ce qu'on appelle le brisement. Il veut briser, il veut enlever tout ce qui est de l'ennemi. Il veut enlever tout ce qui est le superflu que l'ennemi est venu mettre. Parce que quand lui, il a sémé, alors dans la nuit, l'ennemi est venu encore sémer. Il a sémé des mauvaises pensées. Il a sémé des mauvaises actions, des mauvaises habitudes, des mauvais caractères. Et la volonté de Dieu est que tous arrivent à une maturité. Parce qu'il est écrit, mais comment faire? On va enlever tout ça. Il a dit non. On va laisser croître. Jusqu'à ce que qu'on puisse avoir ce qu'on appelle le discernement. Tu dois développer ce discernement. De manière à voir et à faire la différence toi-même entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et que tu choisisses le bien. Que ça ne soit pas quelque chose qu'on t'oblige, qu'on te force. Parce qu'un adulte, il est capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Quand tu es un enfant, tu vas tout mélanger. Mais quand tu deviens un adulte, tu pourras discerner. La volonté de Dieu est qu'il y ait des adultes, des hommes et des femmes qui discernent. Et c'est ce qu'il appelle ici une souche sainte, une sainte descendance. Cette race qu'on appelle le reste, qu'on appelle l'épouse, qui a décidé de faire la guerre à la chair, à l'âme, au monde, et de marcher conformément au bon plaisir de notre Dieu. C'est pour cela, si tu vois dans ta vie, il y a un brisement. Dieu peut permettre le brisement. Il peut permettre à ce que c'est pour nettoyer, c'est pour évacuer, c'est pour enlever tout ce qui n'est pas de lui. C'est pour que tu sois affamé de sa parole. C'est pour que tu sois, oh, que tu aies soif de sa présence. Il faut qu'il y ait un manque. Il faut que tu sentes que sans lui, c'est le désordre. Il faut que tu sentes que sans lui, je ne peux pas. Il faut que la ville devienne déserte. Il faut que le terrain que tu vois, que tu puisses réaliser, que sans Dieu, que tu ne peux rien faire. Si tu penses encore que tu peux faire sans lui, alors Dieu continuera à te briser. Il continuera jusqu'à ce que cette souche, jusqu'à ce que cette sainte descendance puisse germer en toi. Alors, bien-aimé, ça sera ton partage. Ça sera mon partage dans le nom de Jésus. Le brisement n'est pas là pour te faire périr. Le brisement n'est pas là pour te faire mourir. Le brisement est là pour... C'est pour enlever tout ce qui n'est pas de lui. Pour que ce qu'il veut voir en toi, les projets de paix et non de malheur qu'il a prévus pour toi, se révèlent et se manifestent. Afin que tu sois une source de bénédiction pour un plus grand nombre. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voulons lui dire... Nous savons que pour arriver à cela, il n'y a qu'un peuple qu'on appelle le reste.
Et ce peuple qu'on appelle, cette église qu'on appelle le reste, c'est l'église épouse, c'est la race des adorateurs, c'est la race des adorateurs, des véritables adorateurs, des gens qui ne cherchent pas Dieu pour les bénédictions, mais qui cherchent le Dieu de bénédiction. Les gens qui cherchent, qui viennent pour lui, pas pour sa main, mais pour son cœur. C'est cette race des adorateurs, c'est cette souche, c'est toute cette sainte descendance. C'est ça qu'il veut voir et c'est ça que nous sommes venus. Nous sommes venus ici pour chercher la face du Seigneur. Nous sommes venus ici pour rentrer dans le lieu secret. Pour lui, pour son cœur, pas pour sa main, c'est d'abord lui. Parce que quand tu cherches, quand tu le prends, quand tu prends... Quand tu as le Seigneur, mercredi encore, dans l'enseignement que nous avons reçu, vous avez entendu une parole. La sœur qui est rentrée dans cette bijouterie, on lui a dit, que veux-tu? Tu veux tel bijou? Il a dit non. Elle a dit non. Non, je ne veux pas les bijoux. Moi, je vais le bijoutier. Parce que si j'ai le bijoutier, alors j'ai tout le bijou. J'ai tout le bijou. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui que je veux. Je veux lui, le Dieu de bénédiction. Je ne veux pas les bénédictions des dieux, mais je veux le Dieu de bénédiction. C'est lui que je cherche. Je cherche Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, je viens dans sa présence pour exprimer mon amour envers lui. C'est pour cela que je dis, je t'aime tant. Oh, je t'aime tant. Ariane Rocha, je t'aime. Est-ce qu'un adorateur peut se répandre devant lui? Est-ce qu'un adorateur peut exprimer son amour envers lui? Est-ce qu'un adorateur peut laisser son cœur parler? Est-ce qu'un adorateur peut laisser son cœur s'exprimer? Aïe, ne te retiens pas. Quand tu es devant ton Dieu, quand tu es devant ton roi, répands-toi devant lui. Répands-toi devant lui. Parce qu'il est là. Il veut que tu puisses l'aimer. Lui, nous voulons t'aimer comme toi tu nous as aimés. Seigneur, nous voulons exprimer cet amour. L'amour sans tâche, ni ride. Seigneur, cet amour sans hypocrisie et débauché. Que nous voulons. C'est toi 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 que nous voulons. Ici, à Massy, c'est toi que nous voulons. Oh, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Que nous voulons. À Candébouchard, c'est toi que nous voulons. Nous recherchons ton cœur, Seigneur, c'est toi que nous voulons. Aïe, Andébouchéné. Oh, est-ce qu'on a soif de Dieu? Peut lui dire, c'est toi que nous voulons. Oh oui, c'est toi, c'est toi. Oh, c'est toi, c'est toi. Oh oui, c'est toi, c'est toi. Oh, c'est toi, Seigneur. Nous crions à toi. Oh, y'a des bochers. Y'a des bochers. Regarde la disposition du cœur de ma sœur, de mon frère. Bien débauché, débabaya, débauchaya. Donnez-nous, Seigneur, arriver à cette maturité.
Seigneur, parce que nous voulons recevoir. Donne-nous à voir, à te voir comme tu es. Nous voulons voir Christ tel qu'il est. Non, Seigneur. Les enfants ne peuvent pas te voir comme tu es. Ils entendent, mais ils ne peuvent pas entendre. Ils voient, mais ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas. Parce que il faut que tu reçoives le discernement. Il faut que tu atteignes la dimension de l'adulte. Un adulte, il peut discerner. Il peut discerner que moi je veux le cœur de Dieu. Je veux le cœur de Dieu. Je veux le cœur de Dieu. Je veux le cœur. Avant ta main, je veux d'abord ton cœur, Seigneur. Oh, c'est toi, Seigneur. Oh, il amassit pas les eaux. Dans cette chambre haute, nous te cherchons. Oh oui, nous te voulons. Nous voulons voir ta face, Seigneur. Tu as dit que nous sommes des miracles, nous sommes des signes, nous sommes des prodiges. Nous, tu as dit que nous sommes des dieux. Nous avons été créés selon ta nature et selon ta ressemblance. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir, être comme toi, agir comme toi, manifester comme toi, aimer comme toi. Yen de boche, de bababa boche. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Est-ce que l'assemblée peut le dire? C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Est-ce que tu peux le dire? C'est toi que nous voulons. Aya débauche. Et débauche à la baba yade. Il veut que tu le désires. Il veut que tu le désires. Il y a des bochés, des baba, il y a des bochés. Et des bras, il y a des bochés. Et des bochés, que baya. La parole de Dieu nous dit dans Amos 8:11. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Ces jours-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens mourront de soif. Ceux qui jurent par le péché de Samarie et qui disent « Vive ton Dieu, Dan, vive le culte de Beersheba, tomberont et ne se relèveront plus. » Ici, le Seigneur est en train de dire, il y aura un temps, il va faire en sorte qu'il enverra la famine et il fera en sorte qu'il y ait la soif dans le pays.
pourquoi il le fait? Parce que pour susciter cette souche, cette sainte descendance, il faut que cette descendance ne soit pas corrompue. Parce que s'il y a la corruption, s'il y a un mélange, notre Dieu, il a dit, je suis un Dieu jaloux. Et je veux que sur le trône de ton cœur, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu. Alors, il veut purifier nos cœurs. Il veut enlever tout ce qui n'est pas de lui. Il faut que tu puisses dire, je me soumets totalement. Moi, je ne regarde qu'à mon Dieu. Je ne vois pas autre chose. Je ne compte pas sur mes capacités, mais je sais que ma capacité me vient de Dieu. Il veut que les peuples soient dépendants totalement de lui. C'est pour ça qu'il a dit, je ne vais pas envoyer la faim comme la faim du pain, la faim ou la soif de l'eau. Ce n'est pas ça qu'il est en train de parler. Mais il a dit, la faim de sa parole, la soif de sa présence, la faim et la soif d'entendre la voix du Seigneur. Ça veut dire que les gens, les hommes et les femmes vont chercher à être dépendants de savoir qu'il n'y a que la voix du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit qui doit nous donner le go, la direction à suivre. Ce n'est pas la radio, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas les scientifiques. Et nous avons vu comment, avec le coronavirus, comment le monde est à terre. Ils savent pas quoi faire. Les scientifiques se trompent. Les présidents se trompent. Je n'ai jamais entendu autant de fois qu'ils ont sorti le mot humilité. Soyons tous humbles. Parce qu'on ne connaît pas. Waouh. J'ai pensé, eux qui pensaient qu'ils connaissaient tout, qui donnaient des leçons sur tout, aujourd'hui, un virus, un minus qui vient. Moi, je dis un minus qui vient et qui crée la déstabilisation, qui déstabilise tout. Et si toi, tu mets ta confiance en ça, et Dieu ne pourra pas faire germer en toi cette souche, cette sainte descendance, afin de travailler pour le Dieu vivant, afin d'accomplir avec lui des exploits. C'est pour ça qu'il a dit, j'enverrai la famine. Ça ne sera pas la faim du pain, ni la soif de l'eau. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est ça que nous désirons. C'est ça que nous voulons. Parce que la clé du salut, la clé, les solutions divines viennent de lui. Nous devons chercher à entendre Dieu. C'est lui qui a dit, je vous instruirai, je vous montrerai la voie à suivre. Je vous conseillerai et j'aurai toujours le regard sur vous. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de prendre conscience. En dehors de toi, il n'y a point d'autre voie possible. Donne-nous être dépendants de toi, Seigneur, je t'en supplie. Oh, tendre Père. Le Seigneur de tout mon cœur. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur de toute mon âme. Oh oui, j'aime le Seigneur de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Oh oui, j'aime le Seigneur
de tout mon cœur. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur de toute mon âme. Oh oui, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Est-ce qu'un adorateur peut dire j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur de tout mon cœur? Oh oui, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur de toute mon âme. Oh oui, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur de toutes mes forces. Oh, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Père, je t'aime, Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi, aide-moi, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes. Est-ce que tu peux dire Père, je t'aime, Père, je t'aime? Père, je t'aime, Père, je t'aime. Tout ce que tu fais, Père, je t'aime. Aide-moi, aide-moi, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Père, je t'aime. Donne-nous à t'aimer comme tu nous as aimés. Toi qui nous as aimés le premier. Oh, nous t'aimons. Seigneur, regarde les hommes et les femmes, Seigneur, qui sont là. Les frères et les sœurs, Seigneur, qui se répandent devant toi, qui veulent manifester leur amour envers toi. Nous exprimons notre amour, Père, je t'aime. Accordez-nous la grâce de t'aimer. Nous aspirons à t'aimer. Seigneur, nous savons, Seigneur, l'amour est une décision. Nous décidons. Et tu as dit à ta parole, dans ta parole, à tes résolutions répondra le succès. Sur ton sentier brillera la lumière. Et nous, ici, dans cette chambre haute, à Massy-Palaiseau, nous décidons de t'aimer. Nous décidons de t'aimer. Et tu es fidèle et juste pour accomplir tes desseins. Père, Père, je t'aime. J'aspire à t'aimer. J'aspire à t'aimer. J'aspire à t'aimer. Père, je t'aime. Donnez-moi, donnez-moi. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes. De tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. De tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Alors, bien-aimé, quand tu donnes la priorité à Dieu, quand c'est marqué au commencement Dieu, c'est d'abord Dieu, dans Genèse 1, la priorité c'est Dieu. Après, la terre est devenue informe et vide. Ça veut dire que informe le désordre, vide l'insatisfaction. Donc ça veut dire que tu dois reconnaître, tu dois chercher la parole
et sa présence. Parce que sa parole va donner de la forme, va donner de l'ordre, va donner de l'harmonie, va donner la paix. Et sa présence va t'abreuver, va faire en sorte que tu sois rempli de lui, va enlever l'insatisfaction. C'est pour cela qu'il veut que nous aspirons à ça, que nous l'aimons de tout notre cœur. Il faut que nous soyons remplis, remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est cet amour qui nous remplit, la longueur, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de son amour. Jusqu'à ce que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Parce que quand tu es rempli, alors tu es conduit et tu es revêtu. Alors tu peux accomplir des exploits avec lui. Alors tu peux commander et tu seras obéi. C'est pour cela qu'il veut développer cette race des hommes et des femmes qui sont assoiffés de lui, affamés de sa parole. Des hommes, des femmes qui le cherchent avec un cœur sincère. Des hommes et des femmes qui aspirent à l'aimer comme lui, il nous a aimés. Parce que c'est cette génération qu'il donnera la parole au temps convenable. C'est pour cela qu'il a dit, dans Genèse 1, la terre est devenue informe et vide. Après, il y avait de l'abîme partout. Mais après, c'est marqué, et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que quand nous cherchons Dieu avec la faim de sa parole, avec la soif de sa présence, et Dieu va nous remplir, il nous remplit pour aller remettre de l'ordre là où il y avait le désordre, pour aller remettre de l'ordre, pour aller gagner les âmes, pour aller donner des solutions divines. Dieu veut parler. Si ces fondations, ces fondements sont respectés, alors il a dit que la lumière soit. Ça veut dire qu'il y a l'éclairage, ça veut dire qu'il y a le discernement. Il va commencer à parler. Ça commence déjà par la crainte de Dieu. La sagesse vient de la crainte de Dieu. La sagesse commence par la crainte. Et la crainte de Dieu, c'est ces fondations qui sont là. La priorité, c'est Dieu. Tous les jours, tu cherches lui, tu cherches sa parole et tu cherches lui. Et tous les jours, tu es focalisé. Comment faire pour accomplir les desseins de Dieu dans ta vie? Ta préoccupation, c'est aider les autres. Parce qu'il nous a mis sur la terre pour agir comme lui, pour faire comme lui. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas les grâces qu'il a déversé dans ce monde. Et nous ne devons pas être égoïstes. Nous devons penser aux autres. Quand tu respectes ces fondations, alors Dieu va te donner la sagesse. Alors Dieu va te donner le discernement. Alors Dieu va commencer à bâtir avec toi. Alors Dieu va commencer à travailler avec toi. Alors Dieu, et quand nous sommes nombreux à le faire, alors Dieu va commencer à travailler avec notre église afin d'impacter cette ville, afin d'impacter les villes environnantes, afin de pouvoir influencer positivement le secteur, ce territoire que nos pères nous ont donné. Bien-aimé, le discernement, la révélation, Dieu donne. Il ne te donne pas si tu es charnel. Il ne te donne pas si tu es émotionnel. C'est pour cela, dans Matthieu 16, il a dit,
Il a dit à Simon-Pierre, verset 16. Simon-Pierre a dit, répondu, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. 17. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Que tu es Pierre. Sur ce rocher, ce n'est pas tu es Pierre sur cette pierre, ce n'est pas sur lui, mais sur le rocher, Christ, sur ce rocher. Parce qu'il a eu la révélation qu'il était le Christ, le Messie. Il a dit sur ce rocher, Christ, je bâtirai mon église. Cela veut dire quoi? Je bâtirai, je construirai, je édifierai. Je bâtirai une église glorieuse, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, pure, sainte, irrépréhensible, irréprochable. C'est cette église glorieuse qui veut bâtir. Il a dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. Bien-aimé, là où tu es, peut-être tu as des combats dans ta vie. Tu as des choses que tu aimerais voir, des solutions. Et tu te dis, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je continuerai à combattre? Mais le Seigneur te dit ici, il t'a déjà donné cette clé. Si tu as cette révélation de Christ, le rocher, si tu viens te cacher en Christ, comme nous pouvons nous cacher dans l'avion et nous volons, comme nous pouvons nous cacher dans le TGV et nous allons vite, très vite, comme nous pouvons nous cacher dans les bateaux et nous pouvons flotter sur l'eau, et viens te cacher en Christ, le rocher, alors tu pourras accomplir les mêmes exploits que moi j'ai fait. Et tu en feras même davantage. Il a dit, les portes. Ça veut dire que toutes sortes de combats que tu peux avoir, si tu fais partie de cette, dans cette église, l'église épouse, si tu fais partie de cette église qu'on appelait le reste, la race de Christ, l'épouse de Christ, alors tu vas voir, rien ne peut te nuire. Parce que cette église épouse a reçu l'autorité. L'autorité de marcher sur les serpents, l'autorité de marcher sur les scorpions, l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut le nuire. Rien ne peut le nuire. Bien-aimés, chacun d'entre nous doit avoir cette révélation de Christ. Vous avez vu, pour arriver à cette révélation de Christ, il faut chercher à être affamé de sa parole, à être assoiffé de sa présence, à mettre au départ la priorité en lui. Et enfin, tout ce que tu fais pour accomplir sa volonté sur la terre. Ça veut dire prendre soin, aimer ton prochain, aimer ton frère et ton sœur. Et ta sœur, avec cette disposition de cœur, tu es qualifié. Tu es qualifié, mon frère, ma sœur, pour recevoir la révélation de Christ et faire partie de cette armée, une armée d'élite, une armée, oh, des géants spirituels, des autorités spirituelles, des colosses spirituels, une armée des hommes et des femmes qui viennent terrasser les œuvres du méchant. Pour terminer, il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Ça veut dire que tu as les clés du royaume. Ça veut dire que tu peux rentrer dans le conseil céleste. Tu peux rentrer dans le conseil céleste
Parce que l'esprit de conseil agit. Parce que l'esprit de conseil est là. Donc tu peux rentrer dans le conseil céleste et prendre conscience de ce qui a été déjà lié. De prendre conscience de ce qui a déjà été délié. Et tu viens simplement avec ce que le Seigneur a déjà fait. Et tu vas le manifester sur la terre. Est-ce que quelqu'un a compris cette parole? Est-ce que quelqu'un... Si tu as compris cette parole. Si Dieu t'a donné les clés du royaume. Ça veut dire que c'est pour que tu regardes ce qui a été déjà fait. Il a dit ce qui aura été lié au ciel. Tu lieras, tu ne lieras pas ce que Dieu n'a pas lié sur la terre, au ciel. Tu ne délieras pas ce que Dieu n'a pas délié déjà au ciel. Ce que tu lis et ce que tu délies, c'est ce qui aura été lié au ciel. C'est pour cela, bien-aimé, tu ne peux pas atteindre cette dimension de l'épouse si ta priorité, ce n'est pas lui. Si tu viens chercher les bénédictions, mais si tu ne viens pas chercher les dieux de bénédiction. Mais si tu viens chercher les dieux de bénédiction, et si tu es affamé de sa parole, assoiffé de sa présence, et que ton cœur bat pour le salut des âmes, alors tu es qualifié pour recevoir la révélation de Christ. Alors tu es qualifié pour faire partie de cette église épouse qui domine, pour opérer dans cette décennie de la domination, le ciel ouvert. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette parole? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu as donné. Merci Seigneur pour la révélation que tu as donnée. Merci Seigneur. Accorde-nous la grâce de tenir ferme. Que la priorité soit toi d'abord. Seigneur, donne-nous à être affamés de ta parole. Donne-nous à être assoiffés de ta présence. Donne-nous, Seigneur, à pouvoir aider à manifester les actes de compassion. Donne-nous à nous préoccuper des frères et sœurs, Seigneur. Donne-nous à ne pas être indifférents. Donnez-nous à manifester l'amour envers nos prochains. Oh oui, merci, merci. Donnez-nous, Seigneur, à t'aimer comme tu nous as aimés. Donnez-nous à bâtir cette génération, l'Église de Christ. L'Église de Christ, l'Église épouse. Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous ne pouvons y arriver que avec l'assistance du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous te disons merci Seigneur. Parce que quand nous te disons merci, quand nous rendons grâce, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as déjà amenés à cette dimension, à ce niveau. Et plus nous te disons merci, plus nous te disons bravo. Alors tu continues les travaux, tu continues et tu amènes à achever ce que tu as commencé. Parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. C'est pour cela que nous sommes là, nous te disons merci. Nous te disons bravo, bravo. Est-ce que tu peux te lever pour dire bravo à notre Dieu pour cette belle œuvre qu'il a commencé à nous, qu'il amènera à perfection. Merci, merci Seigneur. Merci pour ton amour manifesté. Merci pour tes grâces que tu déverses avec abondance. Nous recevons l'abondance de ta grâce. Nous recevons le don de ta justice. Afin de régner dès cette vie sur cette terre. Afin de t'accomplir des exploits avec toi. Tu as dit dans ta parole, dans Daniel 11, 32.
Ceux de ton peuple qui connaîtront ton Dieu, leur Dieu, agiront avec fermeté. Donne-nous à agir avec fermeté. Donne-nous à agir avec fermeté. Oh, merci, merci. Est-ce que tu peux dire amen, 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 amen à ta parole? Amen, amen, amen. À ce que tu as dit aujourd'hui dans cette chambre haute. À cette parole libérée dans cette chambre haute. Merci pour cette génération des guerriers que tu bâtis. Cette génération d'église, l'église de Christ, église épouse des hommes et des femmes qui dominent, des hommes et des femmes, oh, qui accomplissent des exploits avec toi. Oh, ah, amen, amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de célébration? À tes projets de paix. Amen, amen. Pour ce que tu as libéré aujourd'hui. Pour toutes les paroles que tu as déversées en ces lieux. Ces paroles ne reviendront pas à nous sans effet. Elles accompliront les mandats pour lesquels elles ont été envoyées. C'est pour cela que nous célébrons, nous sommes dans la joie. Parce que quand tu annonces quelque chose, quand tu dis quelque chose, tu es celui qui veille sur ta parole pour l'exécuter. Amen, 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 amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Des cris de célébration? Merci Seigneur. Nous te disons merci pour ce temps. Élève la voix pour rendre grâce, pour dire merci. Merci pour ce que nous avons reçu. Merci pour les paroles que tu as libérées. Merci pour nos vies que tu as encore étirées encore aujourd'hui. Merci pour la parole que tu as envoyée. Et la parole que tu envoies, c'est pour nous guérir. Merci pour la guérison que tu opères dans nos cœurs. Merci pour la transformation que tu opères dès maintenant dans le cœur de ma sœur, de mon frère. Merci pour la dimension de la métamorphose. Donc, merci, nous te bénissons. À toi l'amour de nos vies. À toi qui as conduit toutes les choses, à toi qui as donné les paroles de la vie, ce midi, dans cette chambre haute, nous te bénissons, nous t'élevons. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions. Seigneur, merci Seigneur, nous recommandons toutes les activités, Seigneur, de cet après-midi, ici, dans ton église. Que tout se déroule selon ta volonté parfaite, que l'amour soit palpable. Que la paix soit palpable, que la joie soit tangible. C'est-à-dire que la gloire de Dieu se révèle, se manifeste en ces lieux. Quand tu as rempli le temple, quand Salomon a fini de bâtir le temple, quand tu as rempli le temple, quand Moïse a fini de dresser le tabernacle, Seigneur, merci, remplis ce temple de ta présence, afin que ta gloire se révèle et se manifeste. À toi qui fais toutes choses à merveille. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action des grâces, avec révérence, avec acclamation. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Acclame encore mieux que ça. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce que tu as fait. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose encore ce midi? Nous bénissons. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.